Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Peut-être que tu es intelligent. Ne t'appuie pas sur ton mariage. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas de ce que tu as. Mais confie-toi à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement va changer ta vie. Cet enseignement va transformer la façon dont tu es en train de vivre. Tu t'es confié peut-être à tes parents. Tu as regardé plus à tes amis. Tu as regardé plus à ton mariage. Mais tu as reçu la déception. Mais je suis venu te confier un homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui ne déçoit jamais. Jésus-Christ qui donne la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Jésus-Christ, celui qui ressuscite même les morts. Il est bon, il est agréable de recevoir Jésus. Il est bon et il est agréable d'avoir Jésus dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes maisons. Au somba bandaku, au placer confiance na yona bandaku wana. Mokolo bandaku wana ekobeba. Bien-aimé, okobela. Tu vas souffrir. Appuie-toi sur l'Éternel. Laisse que l'Éternel soit ton refuge. L'Éternel soit ton appui. Alléluia. Jésus est meilleur. Jésus est bon. Il est meilleur de t'appuyer sur l'Éternel. Je vais donner des exemples aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, comme toi tu es en train de me suivre. Aux âmes sali na nzambe, aux âmes moto na nzambe, aux âmes moto sambe laka. Mais appuie na yo, et ça plus dans ma kamo zo sala. Au lieu de te confier à l'Éternel, ton appui est plus sur ton travail. Ndeko moko zo benga musaleza papa, musaleza mama. Qui t'a dit ça? Musaleza papa, isa musaleza mama te, soke kufi. C'est-à-dire que maman et papa va couper. Non, le travail, c'est le travail. Tu peux changer du travail aujourd'hui. On peut te chasser de ce travail. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à ton travail. Aujourd'hui, il peut y avoir bankruptcy dans le travail. Le travail peut close down. Mais je te rassure. Yesu akangakate. Yesu Abebi Sakate, Yazawana Libela na Libela. Nous donnons les exemples. Je prends le cas de Moïse. Pourquoi l'homme doit se confier à l'Éternel? Pourquoi d'abord l'homme doit se confier à l'Éternel? La première des choses, on se confie à l'Éternel parce que Dieu nous rend puissants devant nos adversaires. On se confie à l'Éternel. Suivez-moi très bien, j'aime le message. Quand je donne le message, ça me fait du bien. On se confie à l'Éternel parce que l'Éternel nous rend puissants contre nos ennemis. Tozomi kotisa na bonzambe. Tozomi tia na bonzambe parce que nzambe azope sa biso makias di boso banguna na biso. La confiance en l'Éternel rend puissant devant nos adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Nous prenons le cas de Moïse. Moïse a placé sa confiance en l'Éternel. Moïse a placé sa confiance en Dieu. Dieu a ramassé Moïse de loin. Je prends seulement là où il était. Et pas Boukilo Naïe, en train de paître le troupeau. Je peux l'appeler, Moïse n'était qu'un domestique. Moïse ne faisait le travail de son beau-père. Au Bali, mais aux Osala Moussala et pas Boukilo. Boukilo Azo Foutayo. Le beau-père te paye. Mais Moïse avait sa confiance en l'Éternel. Moïse a quitté de paître le troupeau de son beau-père pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La confiance en Dieu rend une personne puissante devant ses adversaires. Moïse a placé sa confiance en Dieu. Dieu lui a donné une puissance. C'est pourquoi lorsque Moïse s'est retrouvé devant Pharaon,
La Bible dit ceci. Lorsque Pharaon a fait tout ce qu'il pouvait faire des gris-gris, Abimisi Nyoka. Oh, Jésus est meilleur. Notre Dieu est puissant. Moïse s'est retrouvé devant Pharaon. Moïse n'avait que le bâton. Mais Moïse n'avait pas le serpent, mais il avait le bâton. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il va te donner la puissance lorsque tu places ta confiance en lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Moïse n'avait que le bâton, mais le magicien ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont. Moïse a regardé. Regarde seulement. Les sorciers peuvent devenir sorciers comme ils sont des sorciers. Mais je suis venu t'informer. Toi, tu es plus puissant que le sorcier. Le sorcier n'a aucun pouvoir sur ta vie. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Lorsqu'il a placé sa confiance en l'Éternel. La Bible dit que le bâton que Moïse avait, ce bâton s'est transformé en serpent. Hémo Shakariaba Santa. Béni soit le nom du Seigneur, notre Père et notre Dieu. Je parle à quelqu'un qui s'est découragé. Là où tu es, tu t'es découragé des situations que tu es en train de traverser. Mais je t'ai dit, lorsque tu places ta confiance en Dieu, Dieu te rend puissant devant tes adversaires. Qu'est-ce qui est en train de bloquer ta vie? Pharaon a bloqué la vie de Pharaon et de Moïse. La Bible me dit que le serpent de Moïse, Rembo Shakari Abasanta, le serpent de Moïse a avalé tout le serpent qui était là. Naïko Peso Sangumala. Zambazo rendre puissant. Bandokinyo Sobaza Pembenina yo. Yesu Christo azo melabango da kabo shikari abasanta. Nanabo shikari amala diwanezo tungi sa vina yo. Le nom de Jésus-Christ est en train de l'avaler. Le serpent de Moïse. Abo shikari abasanta. Atozo bela, atozo souffrir. Je parle lorsque tu places ta confiance en l'Éternel. Il y a des choses qui sont en train de se transformer dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ne te décourage pas. Jésus-Christ est avec nous. Il est puissant. Il change les vies des gens. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi nous plaçons cette confiance? Parce que la confiance en Dieu nous rend puissants. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Parce que quand nous plaçons cette confiance, c'est-à-dire la parole vient en nous. Jésus-Christ est la parole. Cette parole entre en nous. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est cette parole Christ qui vit en moi. Tu as une puissance. Dieu dit à Moïse, je te rends Dieu devant Pharaon. Aux enzamés, tu es Dieu devant la situation que tu as. Tu peux parler devant cette situation et la situation va disparaître. Parce que tu as la puissance en toi. Les démons qui te chassent la nuit, les démons qui viennent pendant la nuit pour te décourager. Dans les songes, lève-toi au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Tu as la puissance de briser ces esprits. Tu as la puissance de chasser ces esprits dans le nom puissant de Jésus. Tu as la puissance en toi parce que tu as la confiance en Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire dans la Bible. Je ne vais pas tout lire, mais je veux vous montrer que Moïse, lorsqu'il a placé sa confiance, je vais montrer le premier exemple. Et j'ai dit ceci, que devant Pharaon, Moïse était puissant. Ils sont sortis. Pharaon les a poursuivis. Alandi bango kino alobité, il faut naboba bango. Mais Pharaon oublie que cette puissance n'a pas quitté. La puissance de Jésus, la puissance de Dieu était à Moïse. C'est ce que nous allons lire dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14 verset 13. À 16. Exode chapitre 14 verset 13 à 16. Nous parlons de la confiance qui rend puissant. Ça dit mutozana nguya ya kotelemisa ba problème yon se kokoya na vie na yo. Tant ozo placer confiance na nzambe na yo. Okoko loba cette montagne, déplace-toi va de l'autre côté ekokende parce que tu as cette confiance à l'Éternel, tu crois à ces dieux. Tu crois que Dieu est capable de guérir un malade. Tu crois que Dieu est capable de te donner du travail. Tu crois que Dieu, parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Alléluia.
Ne te décourage pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Je te donne l'exemple de Moïse qui a placé la confiance en Dieu et que Dieu lui a donné cette puissance devant cet adversaire. Nous allons lire. La Bible me dit dans Exode chapitre 14, versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Je commence à partir de verset 12. La Bible dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissons-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Parce qu'ils étaient à la poursuite des Égyptiens avec Pharaon. Suivez très bien. Le peuple d'Israël, ils étaient découragés. Parce que le troupe de Pharaon le suivait pour le tuer. Ils étaient découragés. Ils se sont dit, ben, il fallait nous laisser en Égypte. Ben, pourquoi tu nous as amenés ici? Parce que nous allons mourir. Mais écoutez, celui qui avait placé sa confiance en l'Éternel. Moïse répondit au peuple, verset 13. Il lui répondit au peuple, merci Seigneur, merci. Moïse est un homme de confiance, un homme de confiance en Dieu. Moïse répondit au peuple, il dit ceci, verset 13. Exode chapitre 14, verset 13. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Quelle confiance! Il y a une multitude de troupes, de gens en train de venir pour venir vous tuer. Tu vois, la mort est là au devant de toi. Tu vois que tu es en train de mourir. Le médecin t'a dit que tu vas mourir. Le médecin a dit que cette maladie va t'amener à la mort. Mais moi, je suis venu te dire ce soir, je suis venu te dire cet après-midi, ne crains rien. Ne te décourage pas. Ne porte pas un regard inquiet. Parce que je t'amène Jésus-Christ de Nazareth, celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui change la vie des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Moïse a dit au peuple d'Israël, il a dit ceci, j'ai aimé le message. Moïse a dit ceci, « Oh Rabo, Shinna Rabako, merci Seigneur notre Dieu. Ne craignez rien. Restez en place. Regarde la délivrance. » La Bible dit ceci. Exode chapitre 14, verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Bobangate. Malgré Bozomona tout pour Anezoya. C'est ça la confiance. Je connais celui en qui n'a naïe mi moto na tia Elikia Nangai. Elikia Nangai. Ezalina yo. Kolo. Elikianana ezalinayo kulu. Vous comprenez? Ça dit confiance nangai. Elikianana et pas dans Zambé. Pas aux autres, pas aux hommes. Il a dit au peuple. Il pouvait regarder au peuple pour dire oui, j'accepte. Il fallait que nous puissions rester aussi en Égypte comme vous l'avez dit. Non, il dit non. Ne craignez rien. Ne vous inquiétez de rien. Regardez, il dit ceci, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez en train de nous suivre, vous ne verrez plus jamais. Quelle confiance, quelle puissance. La confiance en l'Éternel nous rend puissants devant nos adversaires. Les Égyptiens que vous voyez, Vous le voyez en char, vous le voyez avec de armes. Mais l'Éternel en qui j'ai placé confiance, il combattra pour nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu es malade, même si les gens parlent de toi, toi réponds seulement, la maladie que vous voyez, vous ne verrez plus cette maladie. La souffrance que vous me voyez en train de souffrir, vous ne verrez plus parce que moi je plaçais l'Éternel ma confiance. Maladie au besoin, mon amour, mon amour, le soussouté. Néni tout mon amour, parce que ma lobby n'a eu aucun coup. Mais parce que Ngaï n'a placé confiance dans les pananzam. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message puissant. Et je vous dis que Moïse, lorsqu'il a parlé aux enfants d'Israël, la Bible nous dit devant la mer rouge. Le même bâton qui s'était transformé en serpent, le même bâton a coupé la mer rouge. Et les enfants d'Israël ont traversé. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi aussi tu te trouves dans cette situation.
je vais prier pour toi. Je veux que tu puisses me suivre par cette prière pour déclarer avec moi. Prie avec moi. Dis seulement, Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui toute maladie qui a rongé ma vie, tout problème qui a rongé ma destinée, je déclare aujourd'hui ce problème-là, je ne le verrai plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu puisses prier là où tu es, tu puisses déclarer, moi je veux prier pour toi. Père de gloire, je déclare, si Moïse a dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais, je déclare que cette maladie qui est en train de roger la vie de ma soeur, de mon frère, de mon bien-aimé qui est en train de me suivre, qui soit guéri au nom de Jésus, qui soit délivré au nom de Jésus, parce que Moïse a dit, vous verrez la délivrance. Je déclare que ce peuple soit délivré au nom de Jésus. Je déclare que tu sois délivré au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Place ta confiance à l'Éternel et l'Éternel agira. Je vous ai dit, lorsque vous placez la confiance à l'Éternel, il agira. Et vous avez vu que la mer Rouge a été coupée en deux parce que Moïse a placé sa confiance à l'Éternel. Lorsque tu places la confiance à l'Éternel, l'Éternel agira pour toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas des situations que tu es en train de traverser. Je suis venu t'encourager. Place ta confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel et il agira. Même si tu n'as pas d'enfant, je t'ai dit, avec Dieu, tu feras des exploits. Tu auras des enfants parce que Dieu agit. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Freddy Kabongo. Je suis à votre disposition. Appelle-moi à ces numéros de téléphone, 00 44 79 84 43 32 40. Appelez-moi si tu as besoin de la prière, je vais prier pour toi. Donc 00 44 79 84 43 32 40. Donc le pasteur Freddy Kabongo, je dirige le ministère La Puissance à Londres, ou peut-être que tu es à Londres, tu peux me suivre, appelle-moi, je vais te conduire dans la prière. Que mon Dieu puisse venir là où vous êtes. Je sais que nous passons ces émissions sur notre chaîne de télévision, le temple de Dieu.org. C'est-à-dire, si vous me suivez, vous serez béni, richement béni avec ces émissions. Que mon Dieu vous soit favorable. Et on se voit prochainement à une autre émission. Que la gloire de Dieu soit au milieu de vous. Amen. Merci. Bye bye.